par de toutes choses. Oui. Alléluia. Amen. Moïse disait, gardez le silence. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Alléluia. Amen. Oui, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Amen. Amen. Ceux qui vous poursuivent, ceux qui ne cessent pas de vous faire pleurer, de vous faire souffrir, cette nuit, il faut qu'ils tombent au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Amen. Amen. Et c'est toi debout. Alléluia. Amen. Amen. Ceux qui te poursuivent plus jamais dans ma vie. Élève la voix, commence à prier. Prie avec vie. Élève la voix, parle. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas prier encore. Alléluia. Là où ils ont mis ton mariage, là où ils ont mis ton voyage, là où ils ont mis ton enfantement, là où ils ont mis ton élévation, que Christ vienne te sortir de là-bas. Amen. Ils ont caché ta vie quelque part. Que Dieu vienne te sortir de là-bas et te repositionner. Élève la voix et commence à prier. Commence à prier. Prie. Élève la voix. Prie avec vie. Je vais vous donner un peu de temps.
Amen. Alléluia. Amen. 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 Oui, Dieu a opéré des miracles dans la vie de ses enfants. Amen. Amen. Et ceux-là, ils préparent un témoignage. Ils ont un témoignage du monde à rendre à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais appeler ici la femme de M. Mustapha Ali. Amen. Amen. On acclame Jésus pour elle. Alléluia. Je suis Madame Ali Clotilde. Je suis gabonaise. Je viens aujourd'hui pour témoigner. Amen. Vous dire que le Seigneur est puissant. Amen. Parce qu'il a fait des choses dans ma vie. Amen. Si vous me voyez aujourd'hui, mais ceux qui m'ont vu la première fois ici sauront de quoi je parle. Amen. Le Seigneur m'a relevé, m'a remis sur mon trône. Amen. Si je viens ici, j'ai traversé des hauts et des bas. Amen. Aujourd'hui, j'ai changé. Les gens me demandent, mais tu as rajeuni. Amen. Amen. Tout le monde ne me reconnaît pas ici. Amen. Ceux qui m'ont vu pour la première fois ne me reconnaissent pas. Amen. Non, les gens m'ont vu, j'étais vieille, Amen. Méconnaissable. Amen. Je suis partie, personne ne pouvait me reconnaître ici. Amen. Franchement, personne ne pouvait me reconnaître. Amen. Moi-même, je me disais, qu'est-ce qui m'arrive? Amen. Qu'est-ce que j'ai? J'avais de la tête aux pieds, je ne sais pas ce que c'est. Comme si c'était une peau qui quittait en moi. Amen. Complètement défiguré. Je demandais à tout le monde, je dis, je comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive? Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Mais quand j'ai rencontré le prophète, mes soeurs, mes frères, peut-être ici, c'est dans la maison de la Bible. Amen. Amen. L'endroit de la délivrance, c'est ici. Amen. Parce que sans cet endroit, je ne vois pas où Amen. Je vais être délivré. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails des faux prophètes, des pros, des faux de pasteurs. Amen. Mais ce que j'ai vu ici, Amen. C'est trop grandiose. Amen. Je vous dis que c'est que le bain d'huile que j'ai eu ici, Amen. Que je suis rentrée chez moi à Nantes, Amen. Je suis rentrée, j'étais malade. J'avais une boule ici, du côté gauche de mon ventre. J'ai dit à mon mari, ça ne va pas, je reviens du Maroc avec toute la délivrance. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, j'ai mal, je ne dors pas. J'ai appelé le prophète. J'ai dit, prophète, ça je ne comprends pas. J'ai une boule du côté gauche ici, je n'arrive pas à dormir. Il me dit, ma fille, jeûne un jour, demain tu me rappelles. J'ai dit, oh, merci, prophète. Le lendemain, j'étais pressée même que le jour arrive pour que je commence le jour. Mais je ne dors pas, insomnie totale. Je prends la Bible, je lis, je relis, je lis, je relis. Je dis que le jour n'avait qu'à me retrouver ici. Là. Donc quand le jour arrive, je commence le jour. Mes soeurs, quand j'arrive 17h, 18h, quand j'appuie mon côté gauche, c'est les pus qui sortent. Amen. Quand je dis les pus, c'est les pus qui sortaient en moi. C'est comme si j'avais une boule ici. Qui était dans mon ventre sans le savoir, qui a éclaté de mon ventre. Amen. Ça a coulé pendant 10 jours. Amen. 10 jours ça coulait. Amen. Ça coulait. Ça coulait en moi. Les pus. Donc c'est dire que quand on est là debout vivant, les gens croient qu'on est vraiment en bonne santé, mais on a des trucs en nous, mais sans le savoir. Amen. Le Satan, les sorciers sont en nous. Amen. Mais Dieu merci, Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Amen. Si aujourd'hui vous me voyez comme ça, Amen. Rayonnante, Amen. Je n'étais pas. Amen. C'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Ceux qui m'ont connu Amen. Savent, c'est la vérité. Amen. C'est pas qu'on vient faire des faux témoignages. Il n'y a pas de faux témoignages. Parce que moi, ça ne me ressemble pas. Je Amen. Dis ce que j'ai vécu. Amen. Je dis si c'est pas le prophète, moi je ne vais pas venir crâner ici. Amen. Amen. Là, vous allez dire oui. Merci. C'est dit que quand je venais ici, c'est que quand je sors, j'ai commencé le travail le 17 août. Mais quand j'arrive au travail, tout le monde, mais madame, tu es brillante. Hein? Amen. Ne soyez pas
reçu. Non. Chaque chose a son temps. Amen. C'est ça, il ne faut pas être pressé dans les choses. Amen. Ce que Dieu fait est bon. Amen. La patience paye. Amen. Amen. Mais croyez que tout ce que vous faites, vous n'avez pas dépensé l'argent pour venir ici pour rien. Amen. Vous serez sauvés, vous serez libérés. Amen. Amen. Il faut avoir foi en Dieu. Amen. Il a son travail, mais il y a aussi Dieu qui est là pour nous. Amen. Amen. Donc c'est ça que je tenais à vous dire. Amen. Vraiment, regardez nous qui sommes passés déjà là. Amen. Donc sachez que vous aussi, ah, vous serez pareil. Merci. Alléluia. Nous allons continuer avec la série des témoignages, avec celui de M. Kouma. Alléluia. Amen. On acclame Jésus. Amen. Il m'est arrivé la plus belle chose qu'un homme pouvait espérer dans sa vie. Amen. Mais j'étais tellement malheureux. Amen. Que... non, c'est vrai. Hein? Désespéré. C'est bizarre. Mais Dieu a agi sans que je m'en rende compte. Amen. Il a fait que je parle aujourd'hui pour me rendre compte que Dieu avait agi sans que je me rende compte. Amen. Il m'avait donné une belle jolie petite fille là, alors que je ne devais même pas avoir la petite fille. Je vous remercie, le Seigneur. Amen. Par la grâce de Dieu, et puis nous a rendu visite. C'est quelqu'un qu'on a commencé à suivre dans les débuts, de même Zaroko. On n'avait pas encore ouvert Divo. On n'avait pas encore commencé à Divo, quand il s'est dépêché pour par rapport à sa délivrance et tout ça. Et c'était son souci, c'était d'avoir un enfant. Nous avons prié, et voici l'enfant. Ah, gloire à Dieu! Amen. Donc, il est plein d'émotions. Aujourd'hui, selon on a entendu parler, sa femme est tombée enceinte, elle est partie. Elle est partie après les actions prophétiques, tout ça. Elle est partie, sa femme est tombée enceinte. Et puis, à la suite, elle a fait un enfant et une fille. Ben, que Dieu te bénisse. Amen. Nous te bénissons pour cette rencontre. Nous voulons te bénir parce que tu es Dieu. Merci parce que tu ne changes pas. À toi seul la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes à une rencontre ce soir très importante. Une rencontre de délivrance. Amen. J'ai parlé de ce matin de la délivrance. Je dis qu'on dit quelqu'un doit être délivré, c'est qu'elle est liée, la personne est liée, c'est qu'elle est liée à quelque chose qui est spirituel, c'est pas physique. Amen. Amen. On a besoin d'être délivré. Or, le signe qui prouve qu'une personne a des problèmes spirituels liés, c'est la frustration. On est frustré, on a des projets qui n'arrivent pas à aboutir, on se débat, mais on n'arrive pas à avancer, on a l'impression que quelque chose nous retient. Et on ne comprend pas. C'est ça le lien spirituel. On a l'impression que quelque chose nous retient et qu'on n'arrive pas à comprendre. Or, si nous ne sommes pas délivrés de cette chose qui est spirituelle, nous ne pouvons pas avancer. Amen. Amen. Or, si nous avons un problème spirituel, il faut un spirituel, un homme spirituel, bien sûr, dans le Seigneur, pour nous délivrer de cette chose. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit qu'il est rentré dans le temple après son jeûne. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint, on nous avait choisi pour libérer les captifs. Nous sommes captifs. Amen. Amen. Le mariage est bloqué. L'argent, la pauvreté, tout est bloqué autour de nous. Nous ne devons pas nous asseoir, nous devons nous lever, comme je disais, pour venir chercher Dieu, le trouver. Dieu, on le cherche. Amen. Amen. Il ne vient pas dans ta chambre, Dieu, on le cherche. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et ça, c'est important. Quelle est ta part de sacrifice? Alléluia. Amen. Quelle est ta part de sacrifice? Oh, la délivrance que vous voyez là, ça se désire. Alléluia. C'est pour ça que Dieu ne délivre pas n'importe qui. Amen. Ça, c'est désir. Tu veux que Dieu te délivre. Amen. Et la manière, elle est vraiment importante, la manière. On a abandonné des maisons pour être ici. Amen. Amen. Alléluia. Pour venir nous délivrer, il y a aussi notre part de sacrifice. Nous avons laissé tout un centre de prière qui est un centre international. Un centre international où chaque jour, c'est des milliers de personnes qui nous visitent au centre là-bas. Parce qu'on s'est dit, il faudrait penser à nos frères. Et pour nous, moi je suis beaucoup panafricain.
Amen. Amen. L'Afrique, il faudrait qu'à partir de cette l'Afrique, l'Afrique du Nord, comme j'expliquais là, et c'est un pays monarque, vous savez que nous sommes tous des rois, appelés la royauté, et tout ça c'est symbolique sur le plan spirituel, pour qu'on puisse vous délivrer de beaucoup de choses, faire asseoir sur votre trône spirituel. Amen. C'est ça que nous sommes là. Amen. Amen. Et ça, c'est ça. C'est cette part de sacrifice là, c'est ça, c'est toute démarche là, qui permettra à Dieu de vous délivrer. Amen. 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 J'étais dans la chambre, il y avait la chaleur, j'ai compris, et puis je suis allé me laver. Une certaine heure, je suis allé me laver. J'ai dit non, je dois aussi ma part de sacrifice. Amen. Parce que Amen. Je porte votre poids. Vous savez, quand je suis parti d'ici, je disais à la soeur qui était à la cuisine, j'ai dit, mais tu vois, j'ai un fardeau. Parce que quand vous parlez, je porte le poids. C'est comme vous déversez vos sujets, sinon, vous déversez vos fardeaux, sinon. Et ça pèse dans ma tête. Et je finis par comprendre que le diable est méchant. Et ça me donne raison dans le combat qu'ils sont en train de mener. Amen. 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 Or, vous savez, dans le combat, un combat sans des alliés, on ne peut pas avoir la victoire. Tout combat, sans alliés, on ne peut pas avoir la victoire. Alléluia. Amen. 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 Quand le peuple d'Israël sortait du pays d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, il y a eu un peuple qu'on appelle les Amalécites qui ont commencé à combattre Israël. Moïse est monté en tant que guide spirituel, a compris que le problème était spirituel. Vous savez, le problème, c'est que les gens, souvent, ne réalisent pas que ce qu'ils vivent est spirituel. C'est ça qu'ils demeurent en rond, en train de tourner en rond. Amen. Amen. Et ils ne comprennent pas. Ils se disent que ça va aller, et puis ça ne bouge pas. Amen. Amen. C'est ça. Or, les gens oublient la partie spirituelle de l'homme. L'homme est composé de deux parties, qui est la foi spirituelle et physique. Alléluia. Amen. Et spirituelle. C'est ça que vous allez voir que même les médecins, face à certaines maladies, ils vous diront qu'ils ne voient rien. Or, en tant que vous souffrez dans vos corps. Amen. Vous avez un frère qui me disait, j'ai dit, moi j'ai vécu ça. Amen. Amen. J'ai vécu ça. Or, en français, ce qu'on appelle maladie mystique, c'est dans leur langue. C'est en français, ils le savent. Quand vous allez rentrer dans certaines choses, ils ne vont pas comprendre parce qu'ils ne sont pas spirituels. Il faut être spirituel pour comprendre les choses. Sinon, il y a ce qu'on appelle la maladie spirituelle, il y a ce qu'on appelle la maladie mystique. Amen. Amen. Et donc, quand tu es dans un problème d'ordre spirituel, il faut s'élever et chercher la délivrance. Amen. 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 C'est ce que Bartimée a fait. Quand Jésus traversait, et quand Jésus traversait à Jéricho, bah, il a fait que Bartimée crie. Au départ, ça n'a pas intéressé Jésus-Christ. Amen. Amen. Même les disciples de Jésus ont empêché Bartimée de crier. Et puis à un moment, ça a interpellé Jésus. Jésus voyait beaucoup de sérieux dans ce qu'il tentait de faire, parce que c'était l'occasion ou jamais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit, qu'est-ce que tu veux? Je suis fatigué, monsieur. Je suis trop fatigué. Que je retourne à Dieu. Et il dit que cela soit fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Vous êtes là. C'est pour ça que cette retraite, on n'a pas voulu que les gens sortent. Cette retraite, on n'a pas voulu. On est en jeûne. Parce qu'il faut qu'on cherche la face de Dieu. Amen. Franchement, il faut que nous cherchions la face de Dieu. Pour que Dieu nous délivre de cette situation. Amen. Amen. La délivrance commence dans le sérieux que nous mettons dans la richesse avec Dieu. Si nous sommes sérieux dans la richesse avec Dieu, ok. Sinon, n'oubliez pas que vous venez avec les démons, vous marchez avec les démons viennent avec vous dans les rencontres. Amen. Amen. Il y a tellement de choses à expliquer. Mais cette soirée est une soirée de délivrance. Dis amen. Amen. On a pris le temps de vous écouter. Cette soirée est une soirée de délivrance. C'est amen. Votre délivrance. Amen. Il faut que vous soyez délivrés. Amen. Amen. Ce lien doit être brisé. Amen. Cette malédiction doit être annulée sur votre vie pour que vous puissiez vraiment émerger. Sinon, si ce patron n'est pas délivré, ce sera difficile. Vous êtes venu ici parce que Dieu veut vous délivrer. Moi, ma prière dit Dieu, ce que tu as envie de délivrer au travers de mon canal, conduis-le à Maroc. Amen. Conduis-le au Maroc. Et je suis convaincu que ce n'est pas le fait des hasards, nos rencontres. Je pense que Dieu est dedans. Amen. Je pense bien parce que ça a été vraiment préparé spirituellement. Nous avons pris le temps de prier. Ce n'est pas Crasso qui délivre, mais Crasso a cette foi en Dieu. Crasso sait que Jésus existe. Crasso sait que Dieu est puissant. Crasso sait que Dieu peut vous délivrer. Amen. Amen. J'ai ma foi. Et c'est pas les démons n'écoutent pas n'importe qui. Les démons, vous voyez là. C'est pas n'importe qui qui écoute. On peut parler, donner des révélations, des milliers de révélations. Les marabouts font ça. Vous n'avez jamais vu un marabout dans chasser un démon. Il ne peut pas chasser des démons. Il ne pourra pas chasser des démons. Les démons ne brisent pas à n'importe qui. C'est pour ça que quand vous regardez dans l'acte des apôtres, le monsieur se lève matin, il prend le possédé. Les gens ont pris un possédé pour chasser les démons. Au nom de Jésus que Paul prêche, le démon dit, ok. Moi je connais Paul et je connais Jésus, vous qui vous êtes. Il les a frappés, les a menés. Ils ont tous fui.
Pas parce que les gens disent au nom de Jésus, que chacun avait dit au nom de Jésus. Les démons savent à qui j'obéisse. Amen. Amen. Alléluia. Il faut avoir cette onction-là pour parler aux démons. Et puis il y a des catégories de démons. Il faut t'appeler à ce ministère. Alléluia. Amen. Je suis convaincu que Dieu va vous délivrer ce soir. Amen. Dis amen. Amen. Qui croit à la puissance de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Qui croit que Jésus va le délivrer? Amen. Moi, je suis convaincu. Nous prenons la Bible dans Matthieu, le chapitre 20. Matthieu 21, le verset 2. Si vous y êtes, on y va. En leur disant, qui est devant vous? Qui est devant vous? Oui. Vous vous trouverez aussitôt une ânesse. Vous vous trouvez tout sur une ânesse. Attachée. Attachée. Ânesse. Attachée. Et un anon. Oui. Si tu trouves une ânesse, on continue. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez, le Seigneur a besoin. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Amen. Je veux relire. En leur disant, allez au village, la version du second, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anon avec elle. Amen. Ça dit l'ânesse là, hein, c'est son bébé, c'est ça? Oui. Qui est l'anon, n'est-ce pas? L'anon. Ok. Et avec elle, détachez-les plutôt et amenez-les moi. Si quelqu'un vous demande, si quelqu'un dit quelque chose, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Amen. Amen. Regardez un peu cette histoire. Vous voyez dans le parcours de Jésus-Christ de Nazareth, il avait un ministère puissant d'évangélisation et puis un ministère de délivrance. J'ai toujours dit que Jésus-Christ n'a pas que fait prêcher, mais posait aussi des actions. Il posait, il délivrait des gens, il guérissait des gens. Amen. Amen. Alors Jésus-Christ va regarder et puis à un moment donné, il va dire aux gens, allez-y, vous savez, je dis que l'ânesse, c'est quoi? Tu peux m'expliquer? Non, l'anon, c'est l'enfant de l'ânesse. Oui, donc les deux étaient attachés, et précisément au village, dans un village bien précis, ça veut dire, dans un village. Et vous savez que nos problèmes, généralement, viennent de nos parents, le village. Il dit, allez, le village qui est à côté. Amen. Et si, allez, les défaits, ils étaient attachés. Ton problème aujourd'hui, c'est que tu es attaché. Là où tu es quitté, là, tu es attaché là-bas. C'est vrai que tu es à Paris, mais tu es attaché au village. Amen. Amen. C'est pour ça que tu ne peux pas avancer. Tu es attaché. Après toi que toi-même tu réalises que tu as un lien, tu n'avances pas. Tu constates que toi-même tu es attaché. Amen. Amen. Tu constates que toi-même tu es attaché. Alléluia. Il dit, regarde ce qu'il a dit aujourd'hui. Il dit, si les gens vous demandent, dites que le Seigneur en a besoin. Le propriétaire a besoin de. Amen. Amen. Je vous dis ce soir, je n'ai pas trop parlé parce que c'est une action, c'est une délivrance, de délivrance. Le Seigneur a besoin de toi maintenant. Amen. 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 Que le diable veut ou pas, Jésus a besoin de toi. Amen. Amen. De délivrer. Amen. 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 Comme Jésus veut te délivrer. Alléluia. Ça ne dépend plus de toi. Dieu a décidé de te délivrer. Oui, papa, je sais. Que le diable veut ou pas. Il est vaincu. Jésus a décidé de te délivrer. Je sais. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amenez-moi la soeur. Viens. Il est mon ami. Il est mon père. Il est ma famille. Il est tout pour moi. Je suis la fille de Jésus. Amen. Je viens pour Jésus-Christ. Et je mourrai pour lui. Amen. Car il m'a oué. Hey! Car il m'a oué. 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 Vous êtes vaincu. Je ne fais plus partie de votre famille. Je ne fais plus partie de votre famille. Je ne fais plus partie de votre famille.
pas de toi. Ma vie ne t'appartient pas. Ma vie ne t'appartient pas. Mariam. Mariam. Ma vie ne t'appartient pas. La puissance de Dieu. Mon monnaie, ma vie ne t'appartient pas. Mariam Traoré, Dieu est passé par toi pour me mettre dans ce monde. Elle est à Dieu pour. Dieu t'a utilisé pour me mettre dans ce monde. C'est un homme. Je n'appartiens à personne. J'appartiens qu'à Jésus. Lâche-la. J'appartiens qu'à Jésus. Amen. J'appartiens qu'à Jésus. Le feu de Dieu pense dans eux. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu de Dieu pense dans eux. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu pense sur vos yeux. Jésus, le feu de Dieu pense sur vos yeux dans ce temps. Tu m'appelles, ah! Jésus, je reprends. Tu me parles et je te couche. Quitte sa vie. Je marche avec quitte toi. Sa vie. Je chante avec toi. Je parle et tu m'écoutes. Je te parle et tu m'écoutes. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Je ne vis pour personne. Vous. Vous pauvres ignorants, pauvres ignorants, lâche-la, pauvres ignorants, lâche-la, pauvres ignorants, pauvres ignorants, pauvres ignorants, oh Seigneur Jésus, que tu leur pardonnes, que tu leur pardonnes, que tu leur pardonnes, car ils ne savent pas ce qu'ils font, que tu leur pardonnes, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vas partir de ce corps et tu vas libérer sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il t'a introduit un serpent dans le corps. Elle vit avec un serpent mystique en elle. Tu vas libérer sa vie par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Tu vas relâcher sa vie. Tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir. Parce que c'est un ordre. Mettez les choses comme ça. Et regardez comme ça. Lâchez-le. 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 Rassure-toi que c'est un ordre. Comment décider. Vous libérez sa vie. Vous libérez sa vie. Vous lâchez sa vie. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Lâchez-la. 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 C'est un ordre. C'est un arbre. Va-t'en! Tu la libères et maintenant même, par la puissance qui est dans le sang de Jésus, par la puissance qui est dans le sang de l'agneau, par la puissance, sors! 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 C'est un arbre. C'est un arbre. Tu vas quitter ce corps. Tu vas lâcher sa vie. 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 Si, lâche-la. Lâche-la. Oui, lâche-la. 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 Oui, lâche-la. Au nom de Jésus. Libère-la. 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 Oui, lâche-la. Le feu consume ta soeur dans ce corps. Lâche-la. Allez. Le pasteur. Allez. Lâche-la. 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 Libère-la. Libère-la. C'est un homme. Bien. Je délie ton âme. Je délie ton esprit. Je commande aux esprits de te lâcher maintenant. Lâche-la. Maudis votre présence dans ce corps. Je maudis votre présence dans ce corps. Je vous commande maintenant même, lâchez son âme. Vous libérez totalement son âme. Vous lâchez totalement sa vie par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Vous lâchez sa vie. Lâchez-la. Vous libérez totalement son âme. Vous libérez totalement sa vie par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Et laisse la Christ avant tout. Vous lâchez son âme. C'est un ordre. Vous lâchez son âme. Vous libérez sa vie. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. C'est un ordre maintenant même. Je vous commande par la puissance qui est dans le sang de l'agneau.
Lâchez-la totalement et libérez sa vie. Dans le nom de Jésus. Comme lâchez-la. Lâchez son âme. Vous libérez totalement sa vie par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Vous libérez totalement sa destinée. Vous libérez son âme. Vous libérez son âme. Lâchez-la. Lâchez-la. Lâchez son âme. Lâchez sa vie. C'est un homme. Lâchez-la. Lâchez-la. Au nom de Jésus. De Jésus-Christ. De libérer totalement sa vie. Lâchez-la. Sœur, je te libère maintenant même. Je commande au Jésus-Christ. Parti, lâchez-la. Lâchez son âme. Lâchez son âme. Lâchez son âme. Lâchez son âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâchez son âme. Au nom de Jésus. Son âme a été attachée par le pouvoir de Dieu. Donc elle vit avec un autre esprit en elle. Ils ont fait des pratiques de vaudou sienne. Donc ils ont attaché son âme. Et puis ils ont mis quelque chose en elle, un esprit. Lâche-la. Tu m'entends? Libère-la. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Tu lâches son âme. Va-t'en. Toi, esprit qui vit en elle, c'est un ordre. C'est un ordre. Tu vas quitter sa vie par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Tu vas quitter sa vie. Il fait chaud, hein? Hein? Tu vas quitter sa vie au nom puissant de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Je sais que tu es là. Et tu vas lâcher son âme. Tu vas partir. C'est un ordre. Tu vas quitter totalement sa vie par la puissance qui est dans le sang de la gloire. Libère ton âme. Tu libères toute sa vie. Tu libères sa vie maintenant. Tu m'entends? Quitte ce corps et lâche-la. Quitte ce corps et va-t'en. 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 C'est un ordre. Cette vie appartient désormais à Jésus. Tu lâches totalement son âme. Tu lâches totalement sa destinée. Tu quittes son corps par la puissance qui est dans le sang de la gloire. Lâche-la au nom de Jésus. Je détruis ton pouvoir. Je maudis ta présence dans le nom de Jésus. J'aimerais que tout le monde se tienne debout et qu'on impose la main. Nous allons nous séparer de tout ce qui est l'ennemi au niveau des villages. Nous allons tous détruire cela au nom de Jésus. Nous comptons le prier. Nous comptons le prier. Il faut parler, il faut prier. Je vois tout le monde en train de prier. Je vois tout le monde en train de prier. Vous commencez à briser les liens. Commence 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 à briser les liens.